Je m'appelle Jason Chemama, j'ai 22 ans. À cause d'une erreur médicale, j'ai une infirmité motrice cérébrale depuis ma naissance. On dit que l'erreur est humaine, mais que dire quand celle-ci aurait pu vous condamner à devoir rester à vie dans un centre de soins et sans avenir professionnel? J'ai donc dû préparer mon évasion. C'est en puisant dans ma seule volonté et mes ressources intérieures que j'ai en 2018 créé AndyEasy. Depuis, l'erreur humaine est beaucoup plus facile à vivre. Ne pouvant communiquer par la parole de façon audible et ne pouvant utiliser mes mains pour écrire, j'ai développé pour moi d'abord, puis pour les autres, des bras adaptés pour smartphone. Aujourd'hui, grâce au bras AndyEasy, je peux communiquer à l'aide de mon nez, via une tablette et un smartphone. C'est tout naturellement que j'ai appelé mon entreprise AndyEasy, qui veut dire la main facile. Les solutions AndyEasy comme la gourde adaptée s'adressent aux personnes en fauteuil roulant, en grande dépendance, ayant des difficultés à l'autonomie et l'accessibilité aux choses. Ces solutions sont commercialisées dans des établissements de santé partout en France et depuis quelques mois en Europe. En partenariat avec Orange, AndyEasy met en avant la filière inclusive en assemblant ces solutions dans un ESA. Aujourd'hui, AndyEasy, ce n'est plus uniquement Jason mais une équipe et une communauté. La gourde adaptée qui a été créée en 2019 a été présentée cette année devant 1000 personnes à la mairie de Paris, car je lance cette année un nouveau modèle de gourde métallique que j'ai développé avec un bureau d'études. Celle-ci s'appuie sur la technologie existante et présente un nouveau visage. L'ingéniosité de cette gourde, c'est d'avoir placé une paille articulée composée de maillons, fréquemment utilisé dans l'industrie notamment pour les fluides. En détournant l'usage de ces rotules articulaires, les personnes ayant très peu d'autonomie peuvent boire sans le moindre effort. AndyEasy ne compte pas s'arrêter là, puisque de nombreux projets vont voir le jour prochainement, toujours dans l'idée de faciliter la vie aux personnes à mobilité réduite de manière accessible. Depuis quelques années, il existe beaucoup d'événements récompensant les entrepreneurs qui montent. Mais ce qui est formidable au TROEHE, c'est que la priorité est dédiée aux entrepreneurs handicapés. Mon Dieu, à tout un handicap, il a le droit de monter au dos de Dieu.